Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous présenter une perruque qui m'a été envoyée par Chili Air. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais me la poser, mais ma mère. Parce que vous m'avez beaucoup demandé des vidéos avec ma mère depuis la dernière fois. Du coup, cette fois-ci, je vais faire une vidéo avec elle où elle me pose cette perruque-là que je vais vous présenter. Alors comme je vous ai dit, elle m'a été envoyée de chez Chili Air. Elle est présentée comme ça, c'est magnifique. Regardez, ça fait effet marbre, très, très beau packaging. À l'intérieur, il y a une sorte de, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est des rubans, bref, je crois que c'est pour. Ça vient avec une paire de fossiles, c'est gentil. Un bonnet, mais j'aime bien ce bonnet-là parce que la couleur, j'ai même pas besoin de mettre du fond de teint parce que c'est exactement la couleur qu'il me faut. Du coup, c'est parfait. Ça vient avec l'élastique pour tenir, mais je sais pas si je vais le mettre. Et la perruque se présente comme celle-ci. Alors les longs, c'est une 20 pouces, c'est une cheveux naturelle 360 lace 360. Si vous voyez, elle est déjà customisée en fait, donc c'est déjà bien. Même à l'arrière c'est déjà customisé, c'est super, ça m'évite de travail. Et ce qui est super bien avec cette perruque là, c'est que les tresses sont pas permanentes. Donc en gros, je peux les garder comme ça, comme je veux, ou je peux les défaire et ça me fera une perruque détachée, normale. C'est super bien, regardez. Ça fait super naturel. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite au nouveau et aux nouvelles, ou si ce n'est pas encore fait, même si tu regardes un peu mes vidéos depuis un moment, que tu n'es pas abonné, je t'invite à aller t'abonner, activer la cloche de notification pour être la première ou premier à être au courant de mes vidéos qui vont sortir. Je t'invite à aimer, partager et laisser des petits commentaires si vous voulez d'autres vidéos avec ma mère ou avec un autre membre de ma famille. Et laissez Karim, s'il vous plaît. Bref, c'est parti. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour. C'est ma maman, c'est qui a créé cette merveille. Logique, hein? Du coup, comme je vous ai dit, elle va me faire les tresses collées, donc qui sont bien pour la perruque. Ensuite, elle va découper la tulle, je sais pas, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, et la coller. Du coup, voilà, c'est parti. Voilà, du coup, maintenant que les tresses collées sont faites, on a fait les nattes pour que les renverser, fait le complet. Faut que tu me dises, faut que tu me dises. J'ai fait ça en nattes, juste en nattes, parce que quand on fait un renversé, ils sont gonflés. Et quand on pose une perruque, la perruque il gonfle. Il a des parties gonflées. Et là, la perruque il va être plat. À retenir, c'est un conseil de pro. Là maintenant, pour que ça soit naturel, il faudrait que je mette une poudre pour que ça donne l'effet naturel. Donc moi, c'est la révolution que je mets. C'est ma couleur que j'ai toujours contournée. Donc, vous voyez la couleur, et en mettant la poudre, ça donne effet naturel. Et
la ferrure. À tout de suite. Ah oui, au passage, je sais pas si vous avez remarqué, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais au passage, là, entre temps, j'ai mis leur fossile pour que vous voyez la totalité de ce qu'ils m'ont envoyé et comment ça fait. Bon, en fait, je les ai pas vraiment collés, je les ai posés vite fait. Ça va, ça fait effet naturel. Bon, c'est pas les ceux que j'ai l'habitude de mettre, mais si je veux faire un tout petit maquillage assez simple et tout, et je veux faire assez naturel, bah, je pense que je les mettrai. En plus, ils sont pas désagréables. Il y en a, ils piquent, mais eux, non, ça va. Du coup, voilà. Le temps s'est écoulé. Je retire le bandeau. C'est rien. Et je vous laisse, puisqu'elle continue son maquillage. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye. Du coup, voilà le résultat final. J'adore, c'est trop beau. Je suis pas trop très collée de base. Ou là, en fait, le fait que ça soit un peu cheveux sortis et tout devant, et j'ai pas fait de baby hair, j'ai demandé à ma mère qu'elle allait les sortir pour que ça fasse vraiment un naturel en mode je viens de me faire coiffer. Je vais essayer de voir si je peux réussir à vous montrer l'arrière, comment c'est. Je sais pas si vous avez réussi à voir. J'espère que cette petite vidéo avec ma mère vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous connaissez déjà. Sur ce, longue vie à nous. On est ensemble. Bisous. Il est trop tard sur ma montre. Tous revenir après m'avoir laissé sous l'eau.